Mes viewers, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Warhammer 40 000 Gladius. Gladius Prime doit être prise aux orques et aux nécrons. J'ai pas dit les taux hier. Mais enfin, quoi qu'il en soit, faut leur péter la gueule. Donc on a des orques et des nécrons, c'est ça. Alors, dis-moi tout. Ouais, donc là je fais rien avec ça. Donc... il nous faut une sentinelle. Et il faut qu'on capture des cases. Alors, ce que je voudrais tenter. Ah. Nettoie une case de toute forêt, ruine impériale ou herbe barbelée. Ouais, mais est-ce que ça va pour autant me gagner des bâtiments? Si ça se trouve, je vais prendre le truc et je pourrais pas construire plus que ça, quoi. Ce serait con. Ce serait con. Du coup, ce serait tellement con que je vais pas le faire. Je cherche mon bâtiment pour faire des colons. Culte Mechanicus, c'est ça. Ah mais non, j'ai l'impression que ça produit de la recherche. Tu vois? J'ai l'impression que ça produit de la recherche, du coup. Indique à la vitesse à produise. Ouais, ça produit de la recherche, ces conneries-là. Par contre, on n'a plus d'énergie. Oh la vache. Bon, il faut des cases. Il faut des cases. Il y a pas d'andiner. Hein. C'est du minerai gratuit. On va y aller. On va aller là-bas. On verra après. On va déjà faire celle-là en deux tours. On verra après. Non, 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 non. Le misclick aurait pu être fatal. Allez, ça marche. Donc là, on a 6 tours d'attente hein, pour avoir notre... Ouch. Faut vraiment qu'on s'occupe de soigner nos marines, nos gardes impériaux, pardon. Bien. Ok, on est en train de chercher le medikit, hein, donc prochain tour ça va le faire. D'accord. Donc j'ai essayé de claim ça, mais normalement ça devrait nous produire du métal direct. Donc là il nous faut de l'énergie. Hein. On est à plus 0 d'énergie donc. Oh, c'est dommage de gâcher du minerai. Recherche terminée, le medikit, donc ça c'est plutôt cool. Donc du coup on va peut-être pouvoir accélérer le bordel. Hop, on se charge. Oh ouais. Oh, on est sur du bon medikit à son pépère là quand même. Alors, grenade craperie, psycheur, bloc d'habitation. Ah, bloc d'habitation c'est intéressant mais ma ville est trop petite. Alors, montre-moi. Commandant de char, escouade d'armes lourdes. Hydra, réveil de la machine, donne aux technoprêtres d'Evingénieurs la capacité d'augmenter les dégâts des unités de véhicules alliés. Non merci. Sanctuaire impérial, bâtiment qui augmente la loyauté. Décret qui augmente la production de nourriture des bâtiments. Escouade d'armes lourdes. Et commandant de chars, unité de héros avec une formidable force qui
Il renforce aussi les unités voisines de chars alliés. Je n'ai pas encore de chars. Par contre, je veux bien une escouade d'armes lourdes. Des fois qu'on retombe sur l'espèce de Dragnaut. Pas un Dragnaut, mais tu vois ce que je veux dire? Le gros bipède là qu'on a vu tout à l'heure. Ah! Ah mais non, là ça va pas le faire du tout, mon gars, je te le dis. Ce truc là, il te fait perdre la moitié de ton escouade quand tu marches dedans. Donc c'est sûrement moins grave quand t'as des tanks, hein, mais avec les gardes impériaux, faut vraiment pas aller faire le con là-dedans. Ça se demandait si les gardes impériaux, ils se baladent pas en short. Ok, on a une nouvelle case. Donc là, tu vois, on a gagné 2 de minerais et on va pouvoir foutre des mines dessus qui nous donneront plus 20%. C'est plutôt... plutôt cool. Ok. Alors, à l'abri dans sa sentinelle, le pilote rapporte que les civils survivants sont pourchassés par des croûtes dégénérées, une espèce polymorphique de xéno devenue sauvage. Récompense, pilote de sentinelle entraîné augmente les dégâts pour les éclaireurs sentinelles. Donc là, il faut qu'on détruise 3... 3 croûtes. Enfin, 3 indigènes. Ça peut être des croûtes ou autre, on s'en fout. Mais... Oui, il va te mettre dans les barbelés, Krug. C'est très bien, ça. Très 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 bien. Bravo. Je suis fier de toi. Bon, j'ai l'impression qu'on a nettoyé un petit peu tout ce bordel. Et là, on peut le mettre en repos. Alors, attends, fais voir, tiens. Je suis toujours à 12 de recherche. Alors, on va le mettre en repos et on va voir un petit peu au prochain tour. Est-ce que je passe à 10 ou est-ce que je reste à 12? Nous allons voir cela. Je reste à 12. Et ils ont perdu 4.0 PV. Donc sur une sentinelle, ça va, ça fait pas trop mal. Sur un garde impérial, c'est un autre délire. Ok. Là, on va là-bas, hein. Je vous rappelle qu'il y avait des méchants tout à l'heure. L'escouade d'armes lourdes a été recherchée, donc ça c'est plutôt bien. Donc là on va recruter une escouade d'armes lourdes. Le culte mécanicus, on va recruter un technoprêtre. Et après on va se calmer parce que niveau énergie on n'est pas super... Niveau nourriture, ça va. Hein. On a toujours rien contre les véhicules là, par contre, hein, faites gaffe. Et on va prendre le. Sanctuaire impérial. On va commencer à avancer doucement, par contre. dit-il en allant super loin. Là, on le met dans l'avant-poste, il sera au safe. Et lui, je pense qu'on va le laisser dans le coin, en fait. Je vais le mettre en garnison ici. Ok, voilà des copains. C'est quoi ça? Bon, je vais pas tirer sur des... Si? Bon, t'es sûr que c'est pas des potes à nous, ça? On a découvert une région. Oh, il y a des régions sur la carte. Unité d'artefact stationnaire qui augmente la ligne de vue. Ça, c'est à capturer. Une fois qu'on l'a capturé, ça booste nos unités autour.
Ah non, tu vois, c'est pas des copains. Oh, c'est pas bon. Voir un peu. Waouh, j'ai pris tellement cher. Eh merde. Zéro sept de dégâts. Aïe 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 aïe. Oh mon Dieu, ils sont cinq. Ok, retraite. Ah, s'il y a possibilité, bien sûr, retraite. Ils sont niveau. Il y a du niveau 3, ce serait vraiment con de les perdre. Ça va, ils tiennent le coup pour l'instant. Mais clairement, on se casse. Il n'y a pas à négocier. Ça marche. Non, il reste quoi? 3 tours pour lui. La ville ne produit rien pour l'instant, mais on a rétabli l'énergie, donc ça c'est bien. Il faut toujours qu'on fasse le truc de l'Aquila là pour recruter des seigneurs. Ok, il reste un tour. Pour mon unité de d'armes lourdes. Voilà. On va regarder un petit peu. Oh, c'est dommage. C'est dommage, ils nous ont fait des lance-missiles. J'aurais bien voulu des escouades classiques. Tu peux te régénérer ou pas, toi? Mais non, putain, il m'a changé mon unité. Bon, c'est pas grave. Voilà, je l'ai mis en sommeil, mais à mon avis, il va falloir que je le réactive très très vite, ce truc. Parce que je pense que nos gardes impériaux vont pas rester en vie très longtemps. Choisir la recherche, eh bien. Ah, on a du T3, faut voir un peu. Basilique. Unité d'artillerie à longue portée. Augmente les dégâts des armes laser, ça m'intéresse. Extension en sous-construction. Augmente le rayon d'acquisition des cases des cités, c'est bien. Quota d'extraction. Augmente les minerais. Régiment de travail. Bâtiment qui construit de nouveaux bâtiments et génère de l'influence. Ah. Ah oui. Ah, c'est intéressant ça. Ça nous permettrait d'avoir deux files d'attente en fait au niveau de la cité. Plein plein de choses intéressantes. On va aller sur le basilic. Très bien, bon voilà, la garde a réussi à tenir le coup, ça c'est cool. Alors, on construit rien ici en ce moment. Encore un tour pour mon crafteux là. Donc sachant qu'on pourra aller faire une autre ville ailleurs. Hein. La garde impériale, c'est ça. Ouais, donc je veux ma chapelle de l'Aquila pour faire un commissaire. Parce que là, ça fait une paire de tours qu'on joue. Des gardes impériaux sans commissaire, je trouve ça un peu triste.
On va essayer de régler ce problème. Bonne tour. On lui a fait 0 points de dégâts. Je crois qu'on lui a fait 0 points de dégâts. Non, ça va, c'est juste qu'ils étaient pas affichés, mais ils ont pris quand même. Ok, donc eux, faut qu'ils se soignent. Allez, les gars. Non! Ok. Instantané? Ah, super. Vous voyez, une fois nettoyé, ça nous permet de... Une fois nettoyé, ça nous permet de construire sur 3 cases. Donc c'est vraiment nickel. Bien. Eh ben, faut se bouger. Évidemment, il passe par la gauche, hein, plutôt que de passer par la droite. Bon, après, il y a que la garde impériale qui estime que les sentinelles, ce sont des unités blindées. Pour un Space Marine, une sentinelle, c'est quoi? C'est un gilet pare-balles? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est ça pour désactiver pour l'énergie. Je crois que c'était ZZ, moi. Ok. Bon bah Dieu les garde. Oh la vache. Oh. Cassez-vous. Mais cassez-vous les mecs. Franchement. Non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il fait le tour? Il suffisait de... Je pensais qu'il allait se mettre dans l'avant-poste, mais il l'a pas fait. Ah, mais il y a trop de monde là, les mecs, c'est un fake ou quoi? Attention, ça c'est que les autochtones, hein. Ok, le petit medikit. Alors dégâts estimés, 0 sur 3. 0 sur 1, d'accord. Ah, il y aura aucune perte en fait, on est foutu chef. On est foutu chef. Là, normalement ça va faire mal ça. Non mais je voulais dire à eux que ça allait faire mal. Oh, ça fait aucun dégât.
Ouais, on a gagné un niveau, mais... Toi, faut que tu te soignes, hein, voilà. Joue pas les héros, mon gars. Je ferais bien une cité ici, moi. Donc, il y a encore 2 tours pour commencer à recruter le commissaire. Allez, faut qu'on replie. Faut qu'on replie les Gaules là parce que. On va perdre trop d'unités. Ce sera pas rentable cette histoire. En fait, je comptais vachement sur mon escouade d'armes lourdes. Mais c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont asservis. Oh. Il y a les machins qui leur ont bouffé le cerveau. Ok, encore un tour. Ah bah il se barre avec mon unité direct. Ok, le basilic. Donc là on a terminé la recherche du commissaire et la recherche du basilic. Et ensuite on va pouvoir recommencer à agrandir notre ville. Je sais même pas quelle case on est en train de... Ah oui, celle-ci, ouais. Allez. Je suis pas donné d'ordre à mes unités parce que voilà. Je les laisse se reposer un petit peu et puis accessoirement j'attends que l'autre approche en fait. Ouais, mais là on va le dépouiller. On va le dépouiller. On a toutes nos unités, il n'y a que lui. J'en ai pas tué un, quoi. Pas mal ça. Choisir une recherche. Oui, donc là on a fait le basilic, donc bloc d'alimentation de tête brûlée, donc ça va augmenter les dégâts de mes lasers. Je crois que c'est primordial aussi. Ouais, bon ça va, il attaque les sentinelles. Les sentinelles, je pense pas qu'il puisse les contrôler. Ok, j'ai une unité de garde impériale qui est... Garde impériaux, une unité de garde impériaux. Ouais, j'en sais rien. On a une unité qui est brisée. Ils ont de la chance que le commissaire soit pas déjà là. Parce que... Passe le tour avec ça. Ordre des villes, qu'est-ce qui se passe? T'as fini? Ok. Alors, population 7 sur 7. D'accord. Donc là, il va falloir qu'on fasse des quartiers d'habitation. Mais je ne l'ai pas encore recherché. Donc, on va faire une mine ici. Où je peux pas. Ah ouais. Ouais, d'accord. Allez, un bâtiment de recherche.
Je pense qu'il faut faire chaque type de bâtiment de toute façon. Les obtenus, ouais, ok. Ah, il fuit. Ah putain, mais il veut pas y aller, hein. C'est un truc de fou, ça. Messieurs, messieurs. Il peut pas tirer d'ici, mais c'est incroyable ça. Tu me fais ma ville ou pas alors? Merde, trop loin. J'espérais l'utiliser en... Mais trop loin. Alors, on a une case dispo, donc là on va faire un... On va rien faire du tout parce qu'on a pas assez de minerai. Donc ça, ça agit, ça, ça agit, ça, ça n'a pas agi. Ça ne va pas agir, mon gars. Je crois que c'est jouable ou... C'est quoi ça? 06. 04. Je vais essayer de sauver ma sentinelle quand même. Il en est où, mon basilic, dis-moi. Je te vois que... Ok, un tour pour le commissaire, deux tours pour le basilic. Super. Là, ça capture... Écoute, il est tout seul, on va tenter de se le faire. Je sais pas contre quoi c'est... Il y a bien un truc qui doit lui faire du mal, hein, parce que c'est pas les unités anti-tank. Hein, faut être clair, ça lui fait pas grand mal. Oh, 2.7, ça devient sympa. Alors ici, on va faire un extracteur de minerais. Là, j'ai mon commissaire, on est d'accord. Voilà, seigneur commissaire, il est là. Oh, classique, hein. Épée énergétique, pistolet bolter, et il a des compétences, donc il peut avoir aura de discipline, donc ça augmente de 1 la précision de toutes les unités autour de lui. Abattez-le, ça augmente la pénétration de blindage.
et exécution sommaire, exécute un membre de l'escouade d'une unité d'infanterie adjacente pour restaurer le moral des unités proches. Volonté de fer, c'est la compétence élite. Après être mort, le seigneur commissaire revient immédiatement à la vie. Abattez-le. Abattez-le pour qu'on essaie de contrer le blindage du bordel, là, parce que... Bon, j'ai vraiment bien fait de faire un medikit, hein, putain. Il déconne pas le machin. Donc, acquisition de nouvelles cases, 8 tours? Non, 3 tours. Ok, bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Rejoignez-moi sur Discord, Facebook et Twitter. Des bisous, à demain.